challenge. Il dit, ne t'attaque pas au système, ben, il faut le démoder. En ce sens que quand tu as un fruit à la maison et que la bête qui doit pourrir le système est en dehors du fruit, est-ce qu'elle peut pourrir le fruit? Non. Aussi longtemps qu'elle reste en dehors du fruit et qu'elle est prise, allez, fruit, pourris-toi, le fruit va rester intact. Il faut que la bête arrive à pénétrer le fruit et elle va pourrir le fruit. Donc, nous sommes dans un système. Comme il a dit, si nous disons nous sommes des chrétiens, que nous sortons du système, ça veut dire qu'on ne comprend pas d'où nous venons. Ouais. Donc, nous sommes dans le système et notre construction, de façon verticale, venant du Créateur, c'est ce qui va démoder le système. On ne s'attaque pas au système. On ne s'attaque pas au gouvernement. On ne s'attaque pas là, à cette... révolution là, mais nous vivons notre construction dans notre identité réelle et c'est cette progression là qui commence à améliorer le système selon nos objectifs, selon nos ambitions et autres qui viennent réellement du Père. Donc, aussi longtemps que nous serons en dehors de ça, nous sommes le système, nous coopérons avec le système et nous nourrissons le système. Ouais, nous nourrissons le système par notre religiosité, par notre faits et gestes. Même lorsque tu te mets en colère, c'est le système que tu nourris, n'est-ce pas? Lorsque tu te mets même à chanter, à danser, étant toujours dans le système, c'est le système que tu nourris. Donc du coup, tu rentres dans le système, tu acceptes le système et tu utilises le système pour atteindre tes objectifs. Parce que toi, tu n'es pas le système. Ouais. Et la dernière chose que j'ai beaucoup touché, j'ai pris même note tout à l'heure, où il disait dans la fin de ses propos, où il a dit quoi? Il faut travailler. Je crois que j'ai noté ça ici. Quelque chose de très formidable. Il dit ton cerveau est le seul territoire à conquérir. Tu vois? Aujourd'hui, on voit que tout le monde veut conquérir tout le monde. Je veux, ainsi de suite. Mais en fait, c'est de travailler sur sa propre personne. C'est ça. Tu vois? C'est de conquérir la compréhension que tu es, la peaufiner. Travailler en sorte que cette compréhension-là, elle te permet d'être supérieure à la compréhension de l'ensemble. C'est ce qui te rend meilleur au milieu de ta génération. C'est ça. Aussi longtemps que tu veux travailler au même rythme, tu vas t'épuiser. Et c'est ce qui envoie l'épuisement, c'est ce qui envoie les angoisses, les soucis et tout ce que nous pouvons voir. Ce n'est rien d'autre que le seul fait que la personne ne veut pas travailler sur eux. Imagine un instant un peu la compréhension que le Père nous donne de comprendre, qui nous permet aujourd'hui de nous démarquer de la masse et de travailler dans notre héritage. Nous allons comprendre que le seul fait de comprendre ce que tu comprends aujourd'hui, cela ne vient pas de toi. Parce que tu es un mode de pensée, tu es l'univers, tu es sorti de l'univers. Et tu te rends compte qu'il y a des aînés qui ont compris, qui ont eu le déclic. Le déclic, c'est à un moment donné, tu prends conscience que le système dans lequel je suis là, ce n'est pas ça. Donc, tu ne prends plus plaisir avec ce système. Donc, la construction commence à être à compte courant du système. Or, avancer à compte courant du système, est-ce que c'est facile? Imagine un courant qui vient comme ça et que toi, tu dois naviguer dans le sens contraire. Il te faut quoi? Beaucoup plus d'énergie si tu dois nager. Parce que si tu laisses, le courant t'emporte. Ouais. Mais d'où vient ta force pour pouvoir aller dans le sens contraire du courant? D'où vient cette force? Il faut qu'il y ait une force supra-cosmique qui t'alimente pour que tu puisses aller dans le sens contraire du courant. Et quand tu le fais, c'est sans effort. Tu n'as pas d'effort. Tu ne sens pas que tu es en train de fournir des efforts supplémentaires. Mais de l'autre côté, le gars, il sent qu'il fournit trop d'efforts. Donc, à un moment donné, il va lâcher. Et quand il lâche, il descend. Voilà d'où vient la faiblesse que les uns et les autres disent. Ça fait 1 an, ça fait 10 ans, je suis en Jésus. Je fais, ça ne va pas, ceci, cela. Parce qu'il ne comprend pas. Ouais. Et quand on ne comprend pas, c'est normal que le système va nous emporter. Et donc, c'est la révolution que nous pouvons voir là, les grèves là. Les gens m'ont dit, non, c'est un païen. Non, il ne faut pas t'allier avec un païen. C'est une grosse machine, ce sont des outils. Si on n'utilise pas, elle va nous exploiter. Si on l'utilise pour être meilleur, pour atteindre nos objectifs, soit elle nous utilise, elle nous vide de toute notre substance pour pouvoir... grossir. C'est un obèse pour pouvoir grossir. Donc, dans tous les cas, soit tu l'utilises, soit elle t'utilise. Ben, c'est ça. Et voilà pourquoi, quand le Père donne cette capacité de commencer à avoir des fragments, c'est-à-dire que ce sont des fragments d'ouverture dans ton esprit, tu commences à ne plus prendre plaisir avec cette nature, cette construction. Parce que la pauvreté, c'est une construction, c'est une construction, c'est notre état réel.
Voilà, on n'est pas pauvre parce qu'on manque de ceci, cela. On est pauvre parce que la compréhension que nous aimons est tirée de l'univers, donc elle est limitée. Donc, étant limitée, c'est normal qu'avec la construction qui a été faite depuis que ton entrée dans l'univers, tu vois que le système même s'organise depuis la maternité pour pouvoir t'accueillir, pour pouvoir te laver déjà. N'est-ce pas? Il y a un système qui a mis sur pied. Tu sors de là, il y a des sages-femmes qui vont te prendre. Ils vont commencer à te mettre bien. Ils vont commencer à faire mettre les premiers vaccins. Ils vont te donner à tes parents. Et lorsque tu prends, on te dit chaque 3 mois, il faut aller faire visite. Il faut venir, on va te mettre des gouttelettes. Donc c'est eux qui t'entretiennent. Et c'est eux qui créent l'environnement pour que tu apprennes le A, le B. C'est eux qui t'apprennent les couleurs. Ça c'est le rouge, ça c'est le blanc. Tu vois? C'est eux qui te donnent des informations pour dire tu es devenu ingénieur, tu es devenu, tu as le bac, tu as ceci. Ce sont des informations. Donc au fur et à mesure, ça t'alimente, ça t'alimente, ça t'alimente. Et un bon matin, tu veux entamer une révolution en utilisant les mots que la société t'a prêté. La société te prête des informations et tu veux utiliser ces mêmes informations contre lui. Donc tu vois qu'aussi longtemps qu'on est dans cette logique, on n'y va nulle part. Donc quand la société, les élites de la société, ils voient ce type de personnes qui entament telle révolution, ils croient des mains, ils sourient, ils disent « Waouh, notre système est en sécurité, on peut dormir en paix. Wow. » Mais le jour qu'on coupe l'eau ici, on coupe le courant, on coupe, personne ne sort. Ils se rendent compte qu'on fait face à une génération de personnes qui est en train de se réveiller. C'est très important. Donc, on est menacé, on est en insécurité. Donc, il faut trouver maintenant le mécanisme. Donc, toutes ces révolutions, ces guerres, tout ce qui se passe un peu de partout, ça les rassure dans leur position. Et c'est pourquoi j'aimerais en disant que si tu vois un gouvernement sous la forme visage qui, à un moment, empêche les gens de grever, ça veut dire que ce gouvernement est au du bas, ça, il n'a pas compris. Exact. Normalement, un gouvernement qui est dans une dimension cosmique avancée devait même favoriser que les gens grèvent. Oui. Parce que gréver n'est pas un signe contre l'État, mais c'est un signe pour montrer que l'État vraiment régit ses sujets. Tu comprends? Parce que si les gens ne grèvent pas, comme il dit, par les mots que l'État lui-même leur donnait, ça veut dire que si ces sujets sont morts, ils doivent montrer qu'ils sont vivants. Ils sont vivants. Et ils vivent à partir de quoi? À partir des éléments que la société lui donne. Bon, maintenant, si les gens veulent s'exprimer par la grève, vous leur dites non, ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous ne savez même pas c'est quoi. Tu comprends? C'est pourquoi vous voyez les grandes nations comme la France et tout et tout. Quelqu'un disait que mais les gens que vous voyez là, n'allez pas chercher la vérité ailleurs. Je pense que c'est Roland qui le disait. N'allez pas chercher la vérité ailleurs pour dire à quelqu'un. Tu la vérité en lui. Donc c'est d'aller parler lui de lui, donc de ce que tu as conçu là-dedans. Tu comprends? Donc les vérités, n'allez pas chercher dans les livres. Les gens, plus tu conquiers ce que tu es comme sujet, plus tu peux comprendre tout le reste qui est là. Donc quand tu les parles à partir de ce que tu as construit, ce que tu as vu en toi, tu les parles. C'est ça qui en est. Est-ce que tu comprends un peu? Donc si on dit à quelqu'un, non, on va vous enchaîner parce que vous grévez, on sort pour... Non. En fait, ça veut dire que celui-là n'a pas compris. Tu comprends un peu? Un sujet qui est construit selon le monde doit aller pleurer devant le monde. Que donne-moi. Parce que le monde est son principe de fondement. Il en a besoin. Le monde a les deux les repères. Comme il a dit, c'est le monde qui lui a donné, lui a lavé. Le monde lui a donné les mots. Le monde lui a donné tout. Même son nom, c'est le monde qui lui a donné. Tu comprends? Le monde lui a donné. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'ils disent au monde que je ne suis pas satisfait avec ce que tu me donnes à présent. Papa, donne-moi encore davantage. Donc si on ne fait pas ça, ça veut dire que le monde nous a perdu. Donc le monde doit s'inquiéter plutôt si on voit les gens ne grèvent pas, les gens ne réclament pas, les gens ne pleurent pas. Le monde doit plutôt s'inquiéter. Comme il a dit, si on coupe les lumières, si on chasse tout le monde, tout, on dit, les gens restent tranquilles. Il faut parfois se poser la question si une nouvelle système de pensée. Il y a une nouvelle compréhension qui n'a rien à voir avec celle qu'on a construite dans l'univers. C'est ça, tu vois. Et ce qui est très intéressant, vous allez voir que les élites, hein, les personnes qui font des révolutions aujourd'hui, qui arrivent à entraîner la masse partout dans le monde, c'est les gens, tu vois, t'en rends compte qu'ils ne sont pas formés dans l'école normale de monsieur tout le monde. Tu vas voir, l'inventeur de l'électricité, il a appris ça ou dans quelle université? C'est ça. Celui qui a fait Facebook, WhatsApp, ils sont allés. Mais c'est la personne qui passe le temps seul, en train de jeûner, soit en train de réfléchir, soit dans le calme, en train de se construire. Pendant que la masse est agitée, en train de courir partout. Quand tu vois, voilà, les gens sont sur des motos, en train de... Les gens courent. Or, l'autre, il est calme. Qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir entraîner toute cette masse?
Il est silencieux, il est dans le secret, en train de travailler sur sa personne. En train de s'auto-construire. Et c'est pourquoi le gars, il dit, c'est un initié, hein, c'est un gars qui est très fort. Il dit, le seul territoire conquéri, c'est ta personne, c'est ton mental. C'est ce qu'il faut conquérir. Parce que c'est quoi? C'est là-bas, c'est l'identité. L'identité. Et une fois que tu rentres dans cette identité, tu te retrouves dans un sommet de compréhension. Oui, tu peux tout entraîner. Puisque tout le monde, l'univers, tous les êtres humains là sont conçus. Quand on parle des droits de l'homme, on te dit bien que tous sont entrés dans le monde égaux. Oui. Mais d'où viennent les inégalités? Parce qu'il y a d'autres qui sont allés construire, leur conquérir leurs pensées, tout à fait. Conquérir ce qu'ils sont. Pour pouvoir maintenant venir répondre aux besoins des autres. Ouais. Parce que ça dit, je n'ai pas besoin d'aller chez Dieu donner pour le connaître. Je peux connaître Dieu de ma partie de moi. Tu vois, si je peux résoudre mes besoins par la compréhension, ça veut dire que je sais ce qu'il y a de faire à Dieu de rien. C'est pourquoi vous vous souvenez, quand on était dans les milieux religieux, je disais, celui qui se rapproche davantage du Créateur condamne, il ne condamne plus, il ne juge plus. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que celui-là ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est. Donc, il est sous envoûtement. Alors, toi, tu as commencé à conquérir, à absorber l'envoûtement. Et tu as su bien que ça ne vient pas de toi. Ça vient d'une force très loin. Très loin. Donc, tu commences à réaliser que lui ne peut pas sortir des chaînes-là si la même grâce ne lui est pas accordée. Parce que tu vois, c'est la raison pour laquelle il faut donc l'impact. On a vraiment besoin de se connaître. On a besoin de se connaître. Et c'est ces personnes-là même qui sont les dieux. Vous savez, les représentants de ce dieu en Guinée. C'est ça qu'on appelle les professeurs. Tout à fait. C'est eux les professeurs. Parce que regarde aujourd'hui, là, si tu veux avoir la définition, de comprendre certaines choses. À l'époque, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont chercher un sage ou bien un divin pour réfléchir, pour rentrer soit dans ces trucs, faire des incantations pour pouvoir donner l'orientation. Aujourd'hui, tu prends Google. Tu tapes, tu fais des recherches, tu trouves. Le travail qui était autrefois au sein des magiciens, les astronomes, aujourd'hui, Google te donne ça aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller à Abidjan pour comprendre ce qui se passe à Abidjan ou aller en France. Tu restes ici, ainsi de suite, et tu as toutes les informations en temps réel. Donc, une telle personne qui met un système sur pied, tu penses que lui, il a été construit sur quelle valeur? Sur les valeurs du primaire, du secondaire, maintenant. Donc c'est lui, quand il cherche Dieu, faut pas voir, faut le voir lui, le concepteur. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Et tu vois un concepteur comme ça, vous demandez de payer les impôts. Non, c'est vous qui devez payer. Vous devez lui payer. Facebook n'aide pas qui aujourd'hui. Tout le monde. Donc vous ne venez pas lui demander de payer les impôts. Attends, réel, tu appelles ta personne en Europe, tu parles avec lui, il fait les gestes, tu le vois. Mais, et tu vois dans les timelines, pour la masse, Facebook et WhatsApp, lui sert seulement à faire le selfie. Vous voyez que j'ai fait une recette de gâteau, il poste. Mais en ce moment, il ouvre des vortex et il crée des énergies qui nourrissent le monde. Tout à fait. Il nourrit le monde. Il renforce les liens avec le monde. Mais ce monsieur donc qui vraiment s'est mis de côté, vous n'allez jamais voir là, il met sur Facebook la recette de gâteau. Même son image, il n'est même pas. Et justement, à propos de l'image, je me rappelle quelque chose que je n'ai pas dit. Observe quand on parle de riches maintenant, quand vous présentez un riche dans le monde, on le présente comme quoi? Comme quelqu'un qui a une grosse maison, une grosse voiture, des gros habits, tu vois, tout. Ça, c'est une image tronquée du riche. Les vrais riches n'ont pas tout ça. Le vrai riche, c'est que lui, c'est le fait qu'il a conquis sa pensée, sa personne. Qui est la richesse? C'est clair, c'est clair. Tu comprends un peu? Mais pour garder la masse dans l'illusion, ailleurs, dans vraiment ce qui n'est pas ça, on lui montre vraiment des maisons. Et le gars se bat en longueur de journée pour trouver la maison. Est-ce que tu vois ça? Donc c'est une dimension maçonnique qui est parfois, je dis, ça fait mal. Ça fait mal de voir toutes ces choses. Oui, ça fait mal parfois de voir à quel point on avait été burné. Tu vois un peu? Et des gens se sont donné des maladies, ont créé leur propre maladie parce qu'il n'a pas pu avoir une grosse voiture, une grosse maison. Et tu vois, frère, comme il n'a pas trouvé un enfant. Quand tu parlais, je voyais que tu vois, quand le système te donne, disons, des instructions, c'est pour qu'en retour tu développes. Hein. Oui, tout à fait. Parce que c'est un peu comme l'ordinateur, tu vois, on crée des programmes pour que l'ordinateur en retour nous donne des. Satisfaction. Oui, satisfaction. Alors, tu vois, mais après, quand tu n'es plus utile, en âge, tu vois, on te récite. Donc, tu vois, c'est justement le fonctionnement du système comme ça. Maintenant, quand je parlais, quand le frère parlait de que c'est Satan qui reconnaît
le chrétien, tu vois. C'est justement ça, tu vois. Quand c'est sur le système, en fait, qui reconnaît l'homme, qui reconnaît vraiment, oui, voici, oui, l'homme. Parce qu'il n'y a pas, d'autre élément qui reconnaît l'homme. Mm-hmm. Parce qu'il y a l'homme et le système. Il n'y a pas l'humain, le système et l'homme, tu vois. Il y a, c'est, dans le juge, en fait, c'est l'homme ou l'autre. C'est l'homme. Mm-hmm. Donc, c'est lui qui, c'est le système qui reconnaît que non, voici le grand frère. Mm-hmm. Et il se met, comme il sait que c'est à partir de lui, de l'homme que lui a été créé, c'est normal qu'il reconnaît l'homme. C'est ça. Et c'est pourquoi je suis très d'accord avec vous, que si aujourd'hui on dit que on augmente les prix du riz sur le marché, les loyers, les taux, tout, personne ne crie, le gouvernement doit se poser les questions. C'est clair. Tu comprends? Le gouvernement doit se poser les questions. Ils vont s'effrayer. Mais comment on peut dire ça et puis baisser les gains? Donc c'est ça. Ça montre que soit il y a un autre type de pensée, une compréhension qui est en train d'émerger. Et c'est ça qui fait la peur. C'est ça qui va les. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut innover. Il faut innover. Il faut amener des personnes pour venir innover. Parce que c'est quoi? Aujourd'hui, avant, qu'est-ce qui se passait? On contraignait les gens au travail, on imposait le travail, on forçait tout le monde, les travaux forcés. Et à un moment donné, on s'en rend compte qu'à force de faire cela, il y a beaucoup qui vont échapper le système. Donc il faut embellir le système, et que, il faut l'améliorer, et que toi-même, tu viens supplier. Tu te donnes les moyens de venir supplier, de taper la porte. Mais donc vous voyez un peu, et la chicotte, là c'est quoi? C'est le timing, c'est le timing. Donc du coup, quand tu n'es pas dans le temps, on réduit sur ton salaire. Donc c'est le timing qui devient la chicotte. C'est ça. À l'époque, on prenait la chicotte, chicoter les gens pour qu'ils soient dans les mines, les travaux forcés, et ainsi de suite. Maintenant, on met le timing. On dit, tu rentres à 8 heures, tu finis à 18 heures. C'est ça. Donc c'est le timing. Quand tu ne cales pas avec ça, il faut te chicoter. Donc on embellit tout. Les gens quittent les villages, les campements avec la forêt, avec le macabo, tout ce qui était naturel. Il faut que j'aille en ville. Pour venir dans le lieu. Donc, il faut mettre un système en ville pour que tout le monde descende. Et tout le monde descend, qu'est-ce qui se passe? On sent qu'il fait chaud. Il faut mettre la climatiseur, il faut télévision et les factures augmentent. Donc tu es obligé de vraiment émettre plus d'énergie pour pouvoir satisfaire tout ça. Donc c'est ce qui est en train de se passer dans la société. Partout quand tu arrives, que ce soit en Abidjan, tu sens que ce gars qui est là, c'est un volume d'énergie terrible. Mais c'est un il fait en sorte que tout le monde vient. Et les gens luttent. Quand tu vois ça, tu te rends compte que franchement, il faut cette compréhension pour permettre aux gens d'être dans cette stabilité de développement. Et à défaut. Et tu sais seulement, comme le système ne se nourrit pas seulement de ses impôts, il se nourrit même des énergies. Oui, mais bien sûr. Tu vois, ça fait en sorte que plus les gens se concentrent dans une ville, tu vas voir que ceux qui seront les moins faibles, ils vont se désintégrer de leur corps. Ouais. Parce que les villes comme Douala, Yaoundé, Abidjan, qui sont là, il y a que tu te lèves un matin, on te dit on a trouvé le gars mort. Mm-hmm. Mais on met ça sur le compte de la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est qu'il a manqué assez de souffle pour continuer à faire. Il a tellement émis d'énergie. Il y a tellement d'énergie, il y a une forte concentration d'énergie. Et c'est des villes où les gens prient, monsieur. On prie, c'est-à-dire qu'on invoque le monde. Tu comprends? On invoque. Les désirs qui se dégagent dans les gens peuvent te tuer. Donc c'est un peu ça. Il faut ces fortes concentrations-là. Parce que, et c'est ça qui montre que non, le système fonctionne. Ça fonctionne correctement. Donc c'est. Quand le maître dit dans les écrits, il dit, vous connaissez la vérité. La vérité, vous avez. Qui vous a franchi, qui vous rend libre. Mm-hmm. Mm-hmm. Cette liberté n'est rien d'autre que la compréhension. Ouais. Ouais. Cette compréhension que aujourd'hui le Père est en train d'émettre, les ondes de cette compréhension, qui est en train de pénétrer ça et là, à un moment donné, tu vois la différence. Tu commences à ne plus trouver satisfaction dans le système auquel tu étais, mais au contraire, tu t'épanouis sous d'autres angles. Et tu vois maintenant tout l'univers comme ton petit frère. Tu vois, comme un petit frère, un outil de travail auquel tu ne t'opposes pas, parce qu'elle n'a pas le pouvoir de ne pas jouer ce rôle. Ouais. Hier, je disais ici au frère, et même je l'ai partagé à Abidjan, on ne peut pas reprocher quelqu'un qui est le péché, c'est-à-dire lui, il est le péché, il est l'univers. On ne peut pas le reprocher d'avoir péché. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de ne pas faire ce qu'il a fait. Il n'a pas ce pouvoir. Comme s'il respirait. Voilà. Donc si tu dis de ne plus pécher, c'est comme si tu lui dis il n'a qu'à désintégrer, respirer. De ne plus respirer. C'est sa nature. Donc il émet ce qu'il est et il le fait naturellement, sans forcer. Mais puisque toi, il y a un autre gars qui a été construit en toi, tu te poses à lui dire ce que tu as fait n'est pas bon. Qui t'a dit que ce n'est pas bon? C'est selon la construction de la société qui fait que tu t'opposes. Maintenant, lorsqu'il y a changement, tu te rends compte que là qui pose, il y a un enseignement qui est là, il y a un élément que tu tires juste pour pouvoir te permettre d'aller de l'avant. Tu ne t'attaques plus à lui, tu ne t'opposes plus à lui,
Mais tu comprends qui il est et tu passes à un autre niveau dans ton développement. Il te sert même pour te développer. Tout à fait. Et c'est ça, cette richesse-là. Et quand on a cette richesse-là, on me le dit jalousement. Tu le conserves jalousement. Hein? C'est ça la richesse. En dehors de ça, le reste, c'est l'illusion. Il n'y a pas deux définitions de la richesse. C'est la compréhension de ton identité réelle, de comprendre que l'univers est une ressource. C'est une ressource, c'est une grosse marmite où il y a tout là-dedans. Simplement, il faut t'en servir pourvu que ça ne puisse pas te tuer, hein, mais ça puisse te permettre de pouvoir te mieux te sentir. Ça ne peut même pas te tuer quand tu comprends déjà sa fonction. Exact, exact. Quand tu comprends sa fonction, c'est parti. C'est ça. Quand Élie, hein, dans les écrits, on dit qu'il fuyait Jézabel parce que elle a tué tous les prophètes Samuel seul. Le maître nous dit, mais regarde, il y a plus de 7000 personnes qui n'ont jamais fléchi. À un moment donné, tu te dis, mais est-ce que je ne suis pas seul? Ce type de message, est-ce que les gens comprennent? Si tu veux voir de façon charnelle, mais c'est des milliards d'individus que le Père a émergé cette compréhension. Donc, en même temps que tu penses que, bon, imagine qu'on est là, on se dit, mais est-ce que ce type de message? Mais écoutez, c'est des milliards parce que ce n'est pas toi. C'est l'homme qui a émergé là. Et celui qui est au contrôle de tout le système, de l'univers. Il ne faut pas penser que comme Jésus seul, bon, on est deux, trois, étant assis là, deux, trois, ça veut dire que l'œuvre n'est pas assez. Non, 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 non. Loin de là, quand tu comprends ça, tu te rends compte qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est produit. Tu n'es pas seul, vous n'êtes pas deux, trois ici. Puisque c'est le Créateur qui est là. C'est-à-dire que c'est son prolongement. Donc son prolongement n'est pas réduit au nombre que la suite nous a dit, 2, 3, 4, 5, non. Des volumes. Le volume du Créateur, c'est-à-dire que le grand nombre, c'est dans la compréhension. Dans la compréhension. Dans la forme, on dit, non, on est 2, 3, 4. Or, dans le Créateur, c'est la compréhension qui est assise là. C'est des milliards d'individus.